filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc pour vous annoncer mon retour sur ma chaîne YouTube MyLispo. Il s'avérait que j'ai eu un souci avec ma chaîne, je n'avais plus les droits d'accès. Bon, j'avais dit avant que j'avais décidé de faire une pause dans mes vidéos, le lendemain, je n'ai pas pu me connecter sur ma chaîne, je n'avais plus les droits d'accès, elle était bloquée. Bon. Ce qui m'a fait réfléchir de me dire que même si je me prends souvent des réflexions sur mon physique, sur ma chaîne, sur moi-même, sur n'importe quoi, j'avais droit à continuer à poster des vidéos si ça me plaît. Tant que ça me plaît, je continuerai à filmer des vidéos. Il m'arrive de faire des pauses quand j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps ou que j'ai pas la motivation de filmer, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de supprimer définitivement ma chaîne. Donc, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un pour savoir pourquoi je n'avais plus accès à ma chaîne. Je ne sais pas si c'est le network qui gérait ma chaîne ou si c'est quelqu'un qui m'a piraté. Je n'en sais rien, vu que mes vidéos n'ont pas été effacées. C'est juste peut-être le network. Donc, du coup, ce network, j'en ai encore à souper jusqu'au mois de novembre. Après, je reprendrai ma chaîne normale. Mais je reviens sur ma chaîne MyLispop et voilà, donc... vous restez connectés et abonnés sur cette chaîne là puisque j'avais été obligée d'en créer une autre vu que je n'avais plus accès à ma chaîne, mais maintenant c'est chose rétablie, donc me revoici, voilà, je reviens aujourd'hui, je referme la parenthèse mise au point, retour sur ma chaîne pour vous présenter des produits que j'aime beaucoup en ce moment. On attend que la voiture passe, mais je suis dehors, hein. Non, pas plus, c'est normal, il y a trop de feuilles. Donc, je vais vous présenter les produits, mes favoris du moment en fait, les produits que j'aime utiliser. Donc, oui, je tiens un gant à la main, c'est mon gant d'autobronzant. Donc, mes produits favoris du moment, donc il y a mon autobronzant que j'ai ressorti. Donc, en fait, je l'avais acheté l'année dernière sur le site Filunique, mais j'avais pas pu m'en servir parce que quand je l'ai reçu, c'était le mois de septembre et après, il a commencé à faire froid. Mais là, je l'ai ressorti, donc c'est le Saint-Tropez. Donc, moi, c'est la mousse de bronzage, donc il y a 240 ml. Je vais vous faire une revue un peu plus détaillée sur cet autobronzant que j'aime beaucoup. Et c'est vendu avec le gant d'application. Donc ça, je vous ferai une vidéo spéciale autobronzant. Deuxième favori, c'est quoi? On va rester dans les produits autobronzants. C'est celui-ci, ça c'est un autobronzant pour le visage. Parce que celui-ci, je l'utilise que pour le corps, je ne l'ai pas testé sur le visage. J'ai un peu peur des autobronzants sur le visage, donc j'ai préféré tenter celui-ci. Donc celui-ci, je l'avais eu aussi l'année dernière, c'est ma cousine qui me l'avait donné. Donc c'est de chez Lancaster, c'est le Ultra Natural Bronze Care. Soit un autobronzant ultra naturel. Ultra naturel, je vais y arriver. Donc il y a un SPF 6, donc ça se présente dans un tube. Et la couleur est blanche, donc moi je l'applique à l'éponge, à la Beauty Blender. Je trouve que c'est mieux pour l'appliquer, comme ça on laisse tomber mieux sur le visage, au niveau des sourcils et au niveau des cheveux et au niveau des oreilles. Et je préfère la couleur de celui-ci, mais je pense que celui-ci, il y en a un spécial visage. Parce que je ne sais pas si, d'après des avis, il vaut mieux tenter un spécial visage que celui-ci. Donc je vais voir, puisque quand j'aurai fini celui-là, bientôt, je m'en reprendrai un autre. Parce que celui-ci fait orange, tandis que celui-ci reste davantage un bronzage naturel vu qu'il a un pigment vert pour contrer l'orange. Donc ça, je vous le dirai davantage dans ma vidéo autobronzant. Hein. Donc, deux favoris, les autobronzants. Ensuite, troisième favori, je reste toujours dans le teint, c'est ma crème teintée Aqua Sublime de chez Galénique. Donc moi, j'ai la couleur peau claire, hein. Donc bientôt, elle va être finie, elle aussi. Donc c'est une crème teintée. Parce que l'été, vaut mieux mettre une crème teintée. J'ai essayé la bébé crème, mais ça fait trop clair. Donc je préfère une crème teintée, même si elle ne cache pas vraiment les imperfections. Mais ça, il y a l'anti-cerne. Donc j'aime beaucoup cette crème teintée. Elle a un effet naturel. Elle camoufle pas trop les imperfections. Mais elle a un... Là, je la porte aujourd'hui. Mais je trouve qu'elle a un joli effet sur la peau. Et elle est formulée sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Donc très bon produit de chez Galénique. Donc c'est là Aqua Sublime. Ensuite, je continue, je vais rester dans bon, les produits pour le corps maintenant. Un de mes favoris, c'est ceci. C'est le gel douche de chez Velleda. Oui, j'ai regardé l'émission sur les gels douche et j'ai eu envie de tester les gels douche Velleda. Ils sont plus chers à l'achat. Celui-ci fait à peu près 8 euros. On en fait longtemps et c'est un produit naturel. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients dedans.
Après, il ne faut pas être allergique aux huiles essentielles puisqu'il en contient. Moi, j'ai pris celui à la rose de Damas. Après, vous avez au citron, vous avez à la grenade. Je n'ai pas essayé les autres senteurs. Je suis partie sur le rose. C'est mon deuxième flacon et j'aime beaucoup ce produit. Donc, c'est le soin naturel authentique. Donc, c'est un produit naturel. Il hydrate bien la peau. Il nettoie bien la peau. L'odeur sent bon, ça sent la rose. Il y a le chat sur la fenêtre. Minet ! Minet ! Qui me snob ? Bien. Donc du coup, bon produit, le gel douche, la crème de douche à la rose de chez Velleda. Donc celui-ci, c'est Harmonie et Volupté. Dans les autres, il y a le citron, je crois que c'est Vivifiant. Un truc comme ça. Je pense que je vais le tester, le citron. Donc, bon produit, celui-ci. Oh, je vais foutre mes produits. On va rester dans quoi ? Dans les cheveux. Donc ceci, ça c'est un shampoing et soin que j'ai acheté chez un grossiste coiffure. Donc ceci c'est un soin repigmentant et raviveur de couleurs. Donc moi j'ai un mélange de caramel et de châtaigne je crois. Puisqu'il y a plusieurs teintes suivant la couleur de vos cheveux. Et ça vous le faites comme un shampoing ou alors comme un soin. Moi je l'applique plutôt en shampoing quand je vois que ma couleur commence un peu à virer. Sinon, on vous dit de l'appliquer dès le troisième shampoing quand vous faites votre couleur pour éviter que la couleur perde vite son intensité. Donc celui-ci, c'est un... Qu'est-ce qu'ils disent ? Soin raviveur de couleur, un shampoing. Effectuez un premier shampoing, rincez. Répétez l'opération avec un temps de pause de 2 à 5 minutes. Ou alors, soin raviveur de couleur, il faut avoir lavé ses cheveux et l'appliquer plus... longuement sur les cheveux. Moi je le fais juste en shampoing, ça me va, ça fait briller les cheveux, ils sont jolis. Donc bon produit. Ensuite, restons dans les cheveux. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai ressorti ma crème de jour pour les cheveux de chez Phyto. Donc c'est la Phyto 9 crème de jour, crème végétale, nutrition extrême. Donc ça vous l'appliquez une perle. Hein. Ils disent bien une perle derrière, hein, c'est marqué. Appliquez une perle sur cheveux très essorés et lavés, bien entendu. Et juste sur les longueurs et pointes, il n'y a pas besoin d'en mettre davantage. Et après, vous démêlez, parce que sinon, ça fait un peu plus de pâté, je trouve. Mais sinon, ça hydrate bien les cheveux, donc il n'y a rien que des plantes, il y en a 9. Calendula, sauge, bardane, sol, soja, romarin, guimauve, millepertuis et huile de macadamia. Donc c'est sans rinçage. Et c'est pour les cheveux ultra secs. Donc moi je l'applique sur les longueurs et les pointes. J'avais un autre favori, je ne l'ai pas pris bien entendu. Je le mettrai dans mes favoris de juin. C'est mon peigne à large dents. Je ne l'ai pas pris. Hein. Ensuite, autre produit, c'est celui-ci. C'est aussi un produit pour les cheveux. Donc j'ai terminé le spray à portée de chez Kérastase. Je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai pris toujours chez le même grossiste quand j'étais chercher ma couleur. Le Ocean Spritz Dry de chez Wella. Donc c'est pareil, c'est un spray salé que vous appliquez sur les cheveux quand vous avez fini votre shampoing pour les texturiser et les rendre oui. Tous les produits salés, il a tendance à dessécher les cheveux, mais c'est l'effet recherché puisqu'on veut les texturiser et avoir l'effet plage. Donc il a niveau 2, donc vous l'appliquez sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Moi j'aime bien l'odeur, ça sent pas la plage, mais ça sent bon. Ça pue, hein. Et voilà, donc c'est un bon produit comme tous les sprays salés. Il n'est pas si collant que le Bumble and Bumble. Il se rapproche davantage du spray à portée de Kérastase. Ouais. Donc les deux bases à paupières de chez Urban Decay. Dans la Naked 3, vous avez un échantillon, toutes les bases à paupières que fabrique Urban Decay. Donc j'en ai testé bien entendu pour savoir l'effet par rapport à la originale. Et j'en ai trouvé deux qui étaient sympas, la Cine et la Eden. Donc la Eden c'est une base effet mat. Donc vous mettez ça sur les paupières et ça les rend mat. Et c'est bien pour appliquer les fards mat et ça fait un joli effet sur la paupière je trouve. Donc je me la suis achetée en tube quand il y avait les 25% sur les produits qu'on voulait. Là. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Et en même temps, j'ai pris la Cine. Donc la Cine, je la porte aujourd'hui. Juste un trait de liner et du mascara. Et ça fait juste suffisant. Parce que j'aime beaucoup la couleur de la Cine. C'est un peu ressemblant au Paint Pot de chez MAC. Mais ça tient. Ça tient vu que c'est une base. Donc voilà, j'ai pris ces deux. Après, il y en a d'autres à tester. Si vous avez la Naked 3.
mais c'est les deux que j'ai trouvé, que j'ai préféré. Où il est passé? J'avais le chat là. Il est derrière. Donc je vous recommande ces deux bases à paupières qui sont super. Et enfin, on va terminer avec, pour les yeux, donc j'ai racheté mon mascara, le singulier de chez Yves Saint Laurent en version waterproof. Parce que j'avais fini l'autre et c'est mon mascara préféré, donc du coup, c'est la brosse. J'aime beaucoup ce mascara, il fait des cils super, donc du coup, je le mets dans mes favoris. Voilà, c'est un très bon mascara. Donc c'est le singulier en noir, hein. Ouais. Et en waterproof. Ensuite, autre produit pour les yeux, c'est ce crayon que j'avais dans mon swap avec Alice. Le crayon de chez Kiko, qui a double effet. Vivid Ace, Kajal and Eyeliner. Donc ça, c'est le crayon que je mets dans la muqueuse du haut. Et ce crayon, le rose, je m'en sers pour redéfinir l'arc de Cupidon. Et dans le coin interne de l'œil, je trouve que ça fait joli comme effet. Niveau couleur d'highlighter. Voilà. Donc c'est le 01. J'aime beaucoup. Et enfin, dernier chouchou du moment. Ce sont trois produits de chez Revlon. C'est les Color Burst. Mais moi, c'est les Baume Matte. Les Matte Balm. Donc j'en ai pris trois. Hein. En fait, il y a les trois couleurs. Il y a le rouge, il y a le corail et il y a le rose. Donc aujourd'hui, j'ai le corail. Mais là, il va ressortir rose. Vu que mon haut est corail, il ressort rose. Hein. Donc j'ai le numéro 240. Striking Spectaculaire. Donc celui-ci, c'est le rouge. Donc, je vous mettrai des swatchs. Hein. Parce qu'ils sont super niveau application, niveau tenue. Ils ont un peu un effet mentholé, mais moi ça ne me gêne pas l'effet mentholé. C'est plutôt rafraîchissant l'été, je trouve. Après, ils tiennent très bien. Ils ne dessèchent pas les lèvres. Très bon produit. Ensuite, j'ai le 245 Audacieuse. Audacieuse. Donc ça, c'est celui que je porte. Encore une voiture. Et enfin, le dernier, c'est le 210 Sans Remords. Unapologétique. Ouais, c'est pas le lien. Donc ça, c'est le rose fuchsia voyant. Donc très bon produit, c'est Color Burst Baume Mat. J'avais tenté les autres, là, les baumes plus crémeux, mais je préfère les mats. Surtout en ce moment, j'aime bien les mats. Donc voilà pour mes favoris du moment. Donc, j'en ai oublié quelques-uns. Mais je les mettrai dans mes favoris du mois de juin, c'est pas grave. Là, c'était juste pour vous refaire une vidéo pour revenir. Donc, sur ce, je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Donc, j'ai relancé le concours des 7000 abonnés, qui a été supprimé, celui-là, par contre. Et voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bonnes vacances, on arrive au moins au 1er juillet bientôt. Et puis, voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.